لمن خلقت طينا. نعم خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. هو اللي قالها الأول، هو الشيطان، لما لم يورد بهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى على آدم عليه السلام وجحد بها كأنه هو يعلم خير من الله. هذا هو الإنسان يوقع في هذا المشكلة، يؤديه الشيطان لطريقه بلا ما يجيب خبر هذا الإنسان، ويصبح يحسد ناس واحد أخرين لأن الله أنعم عليهم. هذا النعمة ما هوش هو الإنسان اللي أعطاها لنفسه، الله هو اللي أعطاها له. أهم يقسمون رحمة ربك، يقول الله سبحانه وتعالى احنا نقسموا رحمة ربي، احنا نقولوا هذا الإنسان يستاهل وهذا ما يستاهلش. إذا كان هذا عنده نعمة لا ما لازمش تكون عنده، أنا نعرف خير من الله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أو شي قلنا الله ما تبعوش خطوات الشيطان، لأن الشيطان هو اللي يديك في هذا الطريق، أنا خير منه وانت تولي تشوف روحك خير من الآخر وتقول هذا ما يستاهلش. كلنا قولوها سمعتها عدة مرات، هذا ما يستاهلش هذا الشيء. أنت اللي تحكم، أنت تعرف خير من الله اللي أعطاه هذا الشيء. في بعض الأحيان الناس يتبدل عليهم النعمة ترجع النقمة، وهذه حكمة من الله. والله سبحانه وتعالى قال ما كان الله مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو يبدأ وهذا وهذا وهذا. هل أنت، أسأل نفسك، هل أنت تستهل أحسن ولا لا؟ هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي يجعل كل الأمور. لهذا الحسد هذا يعني هو تدخل في شؤون الله تبارك وتعالى، واتباع خطوة الشيطان هو اللي قال أنا خيرا منه، وتكون عندك إثم على هذا الشيء. أول من حسد من البشرية، تكلمنا على أول من حسد من الخلق الله هو الشيطان، وأول من حسد من البشرية سوف نرى بعد ما نترجم هذه الفقرة هذه. Pourquoi c'est un grand péché le fait de envier les autres? Parce que le fait d'envier les autres, c'est la première créature, j'allais dire, qui a envié les autres dans le mauvais sens, c'est bien Shaitan, c'est bien Satan, le plus grand d'entre eux. C'est lui qui a dit « Moi je suis mieux que lui » par rapport à Adam. Et c'est lui qui a dit « Est-ce que je vais me prosterner pour quelqu'un que tu as fait de terre glaise ?» Et je ne me prosterne pas pour lui parce que lui tu l'as fait de terre glaise et moi tu m'as créé de feu. Il lui a dit « Je suis mieux que lui ». C'est le premier à ne pas accepter la destinée d'Allah et ne pas, c'est-à-dire que il va comme si il va aller à l'encontre de la décision d'Allah, comme s'il connaît mieux que Allah. Il lui dit, celui-là, il ne mérite pas ce que tu lui as donné, il ne mérite pas que je me prosterne pour lui. C'est le premier qu'il a fait, c'est Satan. Est-ce qu'on va le suivre? Oui, parce qu'il va nous mener vers son chemin, lui. C'est ça le chemin de Shaitan. Il va t'emmener progressivement et doucement, juste en t'insufflant, parce qu'il ne peut pas te prendre par la main, c'est impossible. Il va te mener progressivement à ce que toi, tu vas, parler, et même sans le parler, le penser, que tu penses que Allah, il a été injuste, qu'Allah nous en préserve, qu'il a donné ce bienfait à telle personne parce que cette personne ne le mérite pas. Combien d'entre nous le disent? Cette personne ne mérite pas ce qu'il a. Est-ce que c'est toi qui pense mieux que Allah? Est-ce que qui juge mieux que Allah? C'est lui qui lui a donné ça. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, est-ce à eux de partager la miséricorde de ton Seigneur? Et il dit, est-ce qu'ils envient aux gens ce que Allah les a comblés de leurs bienfaits? C'est le bienfait, ça vient d'Allah. Et si Allah il le donne à quelqu'un, il est plus savant que nous tous. Alors, demande-toi à Allah ce que tu veux, mais n'envie pas les autres. Et ne dis pas celui-là, il mérite ou il ne mérite pas. Ce n'est pas à toi de partager la miséricorde d'Allah, c'est Allah qui partage sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'on doit revenir vers Allah et ne pas suivre la route, le chemin du shaitan. Vous savez qui c'est le premier qui a suivi cette voie? Awwal man taba'a hadha at-tariq هو أحد أبناء آدم، قابيل وهابيل. نعم قابيل وهابيل.
Là, Habil ou Habil, on dit les deux. Non, moi je dis une seule personne. Habil. Habil. لأن أحد أبناء آدم قتل أخوه حسدا. حسد في امرأة ينكحها أو يتزوجها. فقال أنا اللي لازم يكون عندي القدر خير عليه. يعني هو مرفض قضاء الله قدره. فهذا هو قتل أخيه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من قتل ظلما في الأرض لابن آدم كفل من الإثم. كل قتل في الأرض، كل إنسان يقتل ظلما لابن آدم عنده كفل من الإثم، لأنه هو من سن القتل. هذا شوف الحسد وين يؤدي يا عباد الله. والحسد يخرجك من الإيمان دون تشعر، دون أن تشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع الله في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح من جهنم، ولا يجمع في جوف عبد إيمان وحسد. ما يجتمعش الإيمان مع الحسد. الإنسان اللي يحسد ماهوش مؤمن. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. راك خرجت من الإيمان بدون أن تشعر، أداك الشيطان في طريقه. هذا هو الإنسان اللي يحذر من هذه الأمور، هذه يحذر منها. هو شوف الإنسان يتعذب قبل ما يحسد المحسود، قبل ما يلحق الحسد المحسود عن طريق العين ولا إلى آخره، فهو يتأثر بها الأول، يتألم بها، والله سبحانه وتعالى يخرجه من رحمته. لأن هذا يعني يبغضه الله، الإنسان الحاسد هذا، لأن الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره. فمن سخط فله السخط، هو شي قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يسخط فله سخط الله. فلهذا الإنسان يحذر، ما يجتمعش إيمان في القلب مع الحسد. دونك juste pour dire, oui, pardon, bismillah. Le frère, il va faire la collecte pour la mosquée, bismillah. Juste pour dire, la première personne, on a dit la première créature qui a envié, c'est Shaitan, bien sûr, c'est le Satan. Et la première personne qui l'a fait, c'est l'un des enfants de Adam alayhi salam. Il s'appelle Qabil. C'est lui qui n'a pas accepté la décision d'Allah que une fille épouse son frère. Et il voulait lui-même l'épouser. Et celui qui ne veut pas la destinée d'Allah, tabaraka ta'ala, regardez cette haine et shaitan où ils l'ont mené jusqu'à tuer son frère. Jusqu'à tuer son frère. Et c'est ça la haine, elle mène vers ça. L'envie, cette envie qui devient une haine, elle mène vers le fait de tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute personne qui est morte injustement sur terre, le fils d'Adam, il aura une partie de son péché. Parce que c'est lui le premier à avoir commis un crime. Voilà ce que là où nous mène cette envie. Envier les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah ne mettra pas dans la poitrine d'une personne, d'un serviteur, une poussière sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire quelque chose de bien, une bonté, et une chaleur de l'enfer. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on continue le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah ne rassemblera pas dans une poitrine la foi qui est l'iman et al-hasad qui est l'envie. Donc celui qui a envie, il faudrait savoir qu'il est sorti, qu'il n'a plus la foi, et sans qu'il se rende compte qu'il n'a plus cette foi. Ça c'est très grave. Il n'est pas croyant parce qu'il a perdu sa foi, et que Allah tabaraka wa ta'ala ne rassemblera pas dans une seule poitrine ce hasad, cette envie, et la foi, l'iman. Voilà pourquoi c'est dangereux de faire ça. Et que la personne qui a envie, c'est lui le premier qui subira le châtiment, c'est-à-dire que ses entrailles se déchirent de l'intérieur parce qu'il envie que cette personne a un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le châtiment qui vient avant même que l'envie atteigne l'autre personne. Voilà, c'est très grave ce que je tiens à vous dire par rapport à l'envie.
Il y a tellement de choses autres à dire parce que il y a d'autres choses à dire sur l'envie, mais l'heure, Inch'Allah, là il reste 2 minutes, Inch'Allah, je crois que je voulais pas faire trop tard pour ceux qui sont dehors, il fait froid, et que Inch'Allah, plus on finit comme ça, et on va pas retarder, Inch'Allah, pour... On se suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, où ce sera un autre sujet. Bi-idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Bismika Allah, bihamdik, shalala, la an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.